Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouvel épisode sur le Let's Play de Final Fantasy VII Rebirth. J'ai vidé la zone, comme prévu, doucement mais sûrement. J'ai fait ça tranquillement. Oula. Ah carrément, c'est Sid qui nous a appelé là. Si tu dois rejoindre l'équipe, ça y est. Yo, その通りなんだろ?俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる?元気か?もういないの?いや、俺はパイロットになりたくて、信頼に潜り込んでよ。 でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子、あんただよな。多分。あんた、来るくらいで。で、俺はこんなもんか? エアリス、エアリスよ。俺にできることなんかねえか。力になりたいんだ。え、突然。下心なんてないぜ。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくれよ。力になりたいってんならただだよ。ああ? On est prêt à s'envoler, mon pote. Le seul truc que je me pose comme question, c'est est-ce que si Jiro il va rejoindre le... il va rejoindre l'équipe ou pas? Parce que c'est dispétant, hein. Si, il envoie Salmon, Hallebarde et tout. Je me rappelle plus si j'avais fait le tour du. Si j'avais fait le tour de l'aéroport en arrivant. Je ne m'en souviens plus. D'accord, il y a un arrêt de Chocobo ici, très bien. Ça c'est pareil, les arrêts de Chocobo, il va falloir que je m'y penche pour les avoir tous. Parce que je pense que j'ai déjà raté certains au cours de mes expéditions. Je voulais voir s'il y avait un coffre, on sait jamais. Vu que la dernière fois à l'aéroport j'avais un coffre d'armes. Sait-on jamais. Mais là pour le coup il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Donc on va se casser, on va aller au Gold Saucer. Ça va nous permettre d'ailleurs de faire le combat de cartes. Parce que mine de rien, je dois affronter le créateur du jeu de cartes, si je ne dis pas de bêtises. Du moins quelqu'un qui porte son nom.
qui usurpe son identité. Allez, passe au style. Ça, notre tas. Hey. Où? Hein? Fuyez d'abord. お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは逆らぬ因縁がある。私も行く。ああ。どうすんだ？俺が蹴落としてやろうか？俺たちの邪魔をしたら、切る。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。Ok, on est parti. Ce bordel. Une ambiance vraiment. Faut savoir qu'après on aura un avion beaucoup plus intéressant, techniquement. Ah, on a vraiment plus d'avion là. C'est... Il est mort de chez moi, le Cine Bronco. Paix à son âme. Mais celui qu'on récupérera derrière est beaucoup plus intéressant.
Je sais pas si on récupère tout de suite ou si ça sera un peu plus tard, ou si ça sera dans le troisième et dernier jeu. Du coup, c'est une trilogie. Ah ouais, c'est la mort. これでいけんだろ。へへへへ、旦那まんや。でも翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の3階全てを制した男、シド・ハイウィンド様だ。覚えとけ。どうする気だ。 今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行くか。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海。そっから先は陸路ですな。よし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソル。 お願いします。アイサー、全速前進。 Alors. ケットシ、今のうちにキーストーンの話を。あいな。20年ほど前の話なんですが、とある復興付き社員が博物館を建てたんです。 隠されとったみたいですね。え、ゴールドソーサーにあるんじゃないの。まあまあ、最後まで聞いてください。その候補の館が、それはもうとんでもなく古くて、すぐに警官が消しもて、で、その警官の捜索さに紛れてキーストーンを失ったっちゅうわけです。やっぱりないんよ。手がかりはないの。元館長に聞けば何か知ってるかもしれません。 よけに壊しな。シャレか。それぞれ。艦長からの合格で取り付けやったビオハンが、ゴールド操作を企画して、園長にまで上り詰める活躍。これは、死んだドリームの一つですわ。おい、シド。あんたも死んだの関係者だ。今でもそうだぜ。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。 俺たちは阪神だの旗を掲げてるんだ。それを言うなら俺は反権力よ。誰だろうと上から何か言ってくるやつはデッキだよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。へへへへってな。ふぅ、飛びてえな。 Du coup, la l'équipe est au complète en vrai, hein. Là, on a l'équipe complète de Final Fantasy VII. Si je ne m'abuse. C'est quoi ce truc violet là? ブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。あれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。シド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。 俺もチクッと見学してくっから。ついてっていいか。もちろん。エアリスはいつも返事がいいな。おい、よろしくな。あれ、ヴィンセントは。
めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。 俺のことか。 Ok. C'est quoi ça?中心が海だった時代に海賊たちの戦争があったんだ。ほら、射的ゲームのパイレーツランページ、あれの元になった物語だよ。クラウド、聞きたい？ああ、そうだな。<笑>昔話なら任せてもらおうか。まだ飛行機や列車が影も形もなく、 船が世界の主役だった時代の話。とある海に魔物を船員として従える異色の海賊がいた。その海賊は壮絶な海賊戦争を勝ち抜き、海原を血で赤く染めたという。全ての海域を手中に収めた海賊はいつしか海賊王と呼ばれるようになっていた。海賊王は死の間際、自分が所有する宝の中で 最も大切なものを4つに分けて封印したと言われている。秘宝の守護者である魔物と共にな。この地図には海賊王が隠した秘宝の在りかが記されている。そして今、秘宝の封印は解かれた。眠りから覚めた海賊王の軍勢が相手だ。秘宝を手に入れるのは容易ではないだろう。しかし、 だからこそ、すっごくワクワクするよね。オッケー。 Ça m'en fait de la carte là, attends monsieur. J'ai des missions, j'ai des missions à toute patate là, c'est un truc de ouf. On démonte les missions là, tout ce qui est arrivé. Donc là en fait j'ai des missions en plus dans toutes les maps, très bien, c'est super. Hop, océan central. Et ça, le trésor du roi des pirates. Pourquoi pas faire un épisode spécial sur celui-là, on verra. Bon, attendez. Vous me connaissez. Ça va se péter direct en mode. Comme ça, on va faire nos matchs de Queen's Blood.
ça, je vais le laisser jouer. Je vais attendre de piocher un bon truc. Voilà. Ce style-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... ça me... à chaque fois je me fais avoir sur le genre de conneries. C'est pas grave parce que là ce que je vais faire ça va être ça. Voilà, très bien. J'ai pas tout compris ce qu'il a fait là, mais bon. Parce que du coup, limite c'était plus serré tout à l'heure, mais là je prends toutes les lignes. Genre tout à l'heure j'avais qu'une ligne, je crois que ça devait jouer à 1 ou 2 points. Au final, bah je prends toutes les lignes. Donc, tu me diras tant mieux. Mais c'est vrai que là on est sur un... un truc de jeu pas très malin de la part de mon adversaire. Tu me diras tant mieux pour moi. Ok, donc juste on a un petit sauvegarde parce que mine de rien on a un peu avancé là. Voilà, parfait. J'ai des combattants ouf. Là-bas à droite, je vais aller le faire. Qu'est-ce que le boxeur hein? Parce que là, mine de rien, je vais encore up en termes de bonhomme. Là. Ok. Ah, il m'a niqué. Là, c'était sûr que je la perdais. Je me suis fait avoir trop bêtement. En fait, il m'a rush d'une façon
où je me suis fait plomber. Et je vais attendre avant de les prendre. Ah voilà, c'est chaud là. Je vais remettre ça là, paf. Oh, nickel, nickel, nickel. Au contraire, là, c'est bon pour moi, ça. Voilà. Nickel. Là, je voulais juste faire ça pour au moins m'assurer bloquer le truc. Ok, parfait. Moi, c'est bien, ça continue de buffer mes cartes, hein. Donc, tant mieux en vrai de vrai, hein. Bah, elle est win, hein. Lavé mon pote, hein. Ok, donc ça c'est fait. Là, j'en ai un troisième à taper là-bas. Je crois qu'il est en haut, le mec. Bah écoute, on va continuer comme ça direct, paf. Parce que comme ça c'est pas mal déjà. Ouais, si je vais faire ça, ça là je vais buff lui, comme ça là ça fait j'ai un plus 3.
Putain, il m'a baisé. C'est mort. Il m'a eu. Je me suis fait avoir avec une carte de remplacement à la con. Vraiment, il va falloir que je commence à penser à styler moi aussi de carte de remplacement parce que c'est vraiment utile, je pense. C'est vraiment utile et j'en mets pas quoi. Alors que je devrais en vrai de vrai. Mais il va aller chercher ma carte à 3, je suis bête. C'était sûr ce truc là. Après, en vrai de vrai. Comme ça qui pouvait éventuellement porter préjudice. Si je fais ça non plus. Écoute hein. En vrai là il peut plus faire grand chose. Là, le seul truc qui se passe, c'est qu'il va continuer de buffer mon serpent. Ah, quoi que. Mince alors. Bon, on prend un plus 24, je prends 44 points dans la gueule là, du coup. Donc, techniquement, il s'est un peu fait tirer. Ok, donc ça, c'est fait. Je vais aller voir pour les quêtes secondaires en bas. Du coup, j'en ai deux. いつぞや本日はどういったご用。ジョニー、今は町を作ったヒーローなどあんな立地の悪いホテルが繁盛するはずは。まさか北条博士が。ただよくよく話を聞けば、だから少し進路の発展のためにご協力。多少の怪我人は出ましたが、むしろ。 今いましいクロマントどもそれにあの後死んだからタガまあ過去のいざこざはないどうでしょう皆さんで何でもロトールダ・メルセネア実は海から現れたモンスターに何でも屋のお嬢さんに遊びほうけて一向に仕事を安くはない前金を払っていますのああそれとこれは別件ですが 何でも屋さんも始末してください。え？金を受け取ったのに仕事もお嬢さんに大人の子は。確かに。何でも屋さんはビーチのバーにいます。よろしく。あ、それ、お父さんと、あ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 
se fait passer pour une mercenaire. Elle est où? Elle est là-bas. Attends, juste il y a une matériel que j'ai envie d'équiper. Comète, voilà, c'est celle-là que je voulais mettre. Parce que celle-là, je pense qu'elle va être pas mal utile une fois qu'elle sera maxée.